pensais quand même pour Sarreguemines, parce que voilà, je suis déçu pour eux, j'aurais voulu qu'ils se maintiennent, mais bon, c'est le football qui est comme ça. Nous, on a joué notre football comme on le fait depuis le début de saison. Donc voilà, après c'est une satisfaction parce qu'on finit en beauté, on avait à cœur de bien finir aussi devant notre public, de finir par une victoire avec 4 buts marqués. Donc c'est forcément de la satisfaction, et puis aussi de finir à cette 4e place, on y tenait aussi, on a fait quasiment toute la première partie de saison, on était premier ou deuxième. On a chuté un petit peu là ces derniers temps quand on a eu des petits soucis sur les derniers matchs, on n'avait plus trop d'enjeux, donc c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, on est fiers de finir 4e, on a fait une très belle saison et puis on est très contents. Bon, est-ce que vous nourrissez des petits regrets d'avoir loupé le coche cette saison? Parce que la saison prochaine, ça va être... Non, aucun regret. Notre objectif, c'était de se maintenir. On a eu la chance de se maintenir à 6 journées de la fin. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc c'est des points positifs. Et puis après, on est ambitieux, comme n'importe quelle équipe. Quand on commence un championnat, on a envie d'être le plus haut possible, même si on annonce le maintien. La saison prochaine, ce sera pareil, ce sera de chercher à se maintenir et puis de se stabiliser dans ce championnat national 3 qui est très compliqué parce qu'il y a de très bonnes équipes. Quand on voit la dernière journée où il y a quasiment tous les matchs ont de l'enjeu, que ce soit pour le maintien ou pour la première place, c'est un groupe vraiment très compliqué, donc chaque saison sera une bataille pour pouvoir se maintenir. Bon, justement, le fait d'avoir été maintenu à 6 journées de la fin, ça t'a permis de préparer la saison prochaine. Des contacts sont déjà pris, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont officiellement partants? Déjà, notre premier recrutement, c'était de garder notre maximum de joueurs. Voilà, on souhaite s'inscrire sur la durée. On espère garder la majorité de l'effectif. Ça va être le cas, certainement. On a déjà rencontré les joueurs, donc voilà, normalement, tout le monde devrait rester. Et puis maintenant, c'est de se renforcer peut-être un joueur à chaque ligne. Mais voilà, pas de grands bouleversements. On souhaite continuer avec ce groupe qui a fait une très bonne saison. Et puis d'y ajouter voilà, 2-3 joueurs qui pourront apporter aussi leur expérience. On prépare l'avenir, il y a quelques jeunes que tu as fait rentrer en fin de match, ça. Quelles sont tes impressions? C'est ça aussi, c'est que voilà, on fait confiance à la formation aussi. Ça a été très compliqué en termes d'effectifs avec les suspensions, les blessures, et puis qu'on a priorisé aussi l'équipe B qui peut encore monter. Donc on avait pas mal de soucis d'effectifs sur ces 4-5 derniers matchs. Donc les résultats s'en sont fait ressentir aussi, mais ça m'a permis aussi de lancer des jeunes. Voilà, on est très, très contents. Aujourd'hui, on a pu voir évoluer quand même 3 joueurs, deux qui ont 17 ans, un qui a 16 ans. Donc voilà, c'est de jouer à cet âge-là dans un championnat comme ça, c'est bien pour eux. Et j'espère pour eux qu'ils pourront y regoûter aussi. En tout cas, on est très contents des jeunes et puis ils ont fait une bonne saison. Même le petit Tom Condi qui a fait quasiment toute la deuxième partie de saison. Ouais, il a bénéficié aussi des absences de certains joueurs et puis il a gagné sa place, et ouais, il a fait son trou. Et puis le plus dur commence pour eux, hein, c'est des jeunes, alors c'est pas d'y goûter et faire quelques matchs. L'ambition pour eux, c'est de pouvoir s'inscrire dans un championnat comme ça, dans une équipe, et puis de faire leur trou. Donc voilà, mais en tout cas on est très contents et puis on compte sur eux sur l'avenir. Est-ce que tu crains quand même que le groupe soit moins compétitif la saison prochaine si vous perdez 2 pièces maîtresses? Forcément, on a une très bonne équipe. Alors forcément, quand on enlève un ou deux joueurs, bah forcément on baisse. Hein. On l'a ressenti dans les derniers matchs, quand on avait des joueurs qui étaient blessés ou suspendus. On était diminué et ça se ressentait aussi en termes de résultats. Donc, voilà. Vous serez attendu aussi? Aussi, ouais, on a fini 4e, donc c'est sûr qu'on sera un peu plus respecté. Là, ça veut dire que c'est la première saison, donc les équipes nous prenaient peut-être un petit peu à la légère. Et puis voilà, on a fait notre place aussi, on est très contents. À Sarreguemines, est-ce que tu as repéré des joueurs qui pourraient t'intéresser? Voilà, c'est encore trop tôt. Recrutement, oui. Non, mais les contacts sont déjà pris de toute façon. Des contacts ont été pris, il y a des joueurs qui vont nous rejoindre, c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit, la priorité c'est de garder nos joueurs et on fera tout pour les garder. Et puis on se renforcera comme toutes les équipes, c'est la période qui veut ça. Donc voilà, on va se mettre au boulot et puis bien préparer la saison prochaine. Donc Romain Schuller sera sur le banc la saison prochaine, tu peux nous l'assurer? Voilà, oui, à moins que le président me vire les prochains jours, mais l'objectif est atteint, il peut être terminé 4e, donc je pense que tout le monde est content et tout le monde a envie de repartir.